Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Bastien. On va faire une petite pêche là qui est sa spécialité. On va aller chercher l'échevène mais avec du fromage. Moi j'ai jamais fait ça, toi t'as déjà fait ça pas mal de fois là. Ça a l'air de bien donner. Donc il va aller se positionner en bas et moi je vais le guider depuis un pont. On va essayer de faire quelques chevennes. C'est parti. To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I... Là, tu le vois? Celui qui descend? Il est en train de se remettre dans le courant celui-là. Oh, t'as cassé. Non. T'as cassé sur un chop, gros. Mais vous faites des ferrages trop violents. Il est en train de se barrer avec. Cours. C'est devant toi. Tu l'as? T'as le fish? Non. Ah ouais, t'as mis ton doigt. Putain, c'est un beau en plus. Moi, quand il fait un peu chaud comme ça, je prends du fromage. C'est un peu moins classe, on va dire. Mais cette technique, il va très très bien. Je pose le fromage aux alentours du chevenne. Il va faire son petit tour, son repérage. Il va venir une fois goûter, il va repartir, il va revenir. Et voilà, c'est une technique qui marche très très bien. Et voilà, c'est validé avec un chevenne de, on a vu, 40, un peu entre 40 et 45. Ouais. En plus ici on est sur une zone un peu touristique, donc ils ont l'habitude de se nourrir de ce genre d'alimentation, les enfants qui leur donnent à manger, etc. Et donc voilà. Ouais, donc là quand je l'ai ferré, j'ai un peu ferré trop fort, j'ai mis mon doigt sur la bobine en fait. Du coup j'ai mis trop de résistance d'un coup, ma tresse a pété. Et j'ai réussi à récupérer ma tresse avant qu'elle se barre, et donc j'ai combattu le poisson à la main et j'ai fini par l'avoir. Bon là les gars, moi je reste sur le pont pour guider Bastien là qui va se mettre ici en dessous, il va passer sous le pont. On peut pas pêcher du pont, du coup moi je vais juste le guider en fait. C'est à dire que là il y a tous les chubs, là il y en a des dizaines, ils sont hyper éduqués, ils sont pas forcément faciles. Du coup il va se mettre en bas, il va laisser un peu de mou dans la ligne et laisser un peu tomber le fromage sur le fond. Et moi dès que j'ai quelque chose en visuel, je vais essayer de vous filmer ça, je vais lui dire faire, il tend la ligne et normalement ça va être pendu. J'espère que ça va fonctionner, en tout cas ça va être de belles actions. Moi je suis en casting avec un petit moulin pour lancer des petits pois, un fromage et un hameçon simple. Là, il y a un chef derrière. Refus. Il y en a un autre qui vient. Il prend, tire. Voilà. Samy m'a dit de faire au bon moment, ça va pas manquer, je l'ai pas raté. Voilà, on va la remettre à l'eau gentiment. Voilà. Il m'en faut du fromage. Ouais, t'es bien, c'est pas les plus gros là, mais t'es bien quand même. Ouais, attends. Il y en a un qui est venu. Là, il y a une perche qui est venue voir gros. En fait là c'est Sam qui est mes yeux, tu vois. Sam me guide, là il me parle, vous l'entendez peut-être pas, mais là il me dit qu'il y en a tout près. Donc j'accompagne mon fil de manière très lente, afin que mon fromage n'ait pas d'un coup brusque, parce que sinon ils en ont vite peur. Et je regarde ma bannière et juste là au moment elle rentre dans l'eau, et des fois je vais sentir tac, et c'est là que je vais devoir ferrer. Mais si je ne m'en rends pas compte, Sam va me dire faire, parce que lui au-dessus il se rend compte. Tu m'as dit faire, hein? Ah ouais, le remous. Ouais. T'as eu un refus de ouf là. Reste comme ça. Ouais, il suit. Reste là. Il va venir le chercher. Faire. Voilà. Là, c'est plus gros là. Ah non, pas beaucoup.
Et voilà. Ah, il est plus beau celui-là quand même. On va le relâcher doucement. Dans sa veine d'eau. Voilà, et il remonte directement sous le pont. Déjà deux chopes pour Bastien, là le deuxième un peu plus gros, mais il l'a pas pris à la descente, il a bien attendu que ce soit sur le fond pour venir le gober. Du coup, encore une fois, j'ai dû lui dire quand ferrer. Pas forcément facile, un peu technique là, il chipote un peu, hein. Ils ont l'habitude d'être pêchés ici, il y a beaucoup de touristes, etc. D'ailleurs, il y a d'autres pêcheurs là qui sont en train d'arriver, qui vont sûrement essayer de les pêcher aussi. Mais enfin voilà, on en a déjà fait deux, on va essayer d'en faire encore un petit troisième et puis on changera de spot. J'essaie de lever mon fil le plus possible parce qu'il voit la tresse, même si en 6 centièmes il la voit. Non, il est trop. Faire. Voilà. Ah, des crocs, dommage. C'est pas compliqué, regardez comment je le pique. Ouais, je me casse pas la tête. Allez, je vais essayer de refaire le même. Bon, là, les gars, c'est mon tour. Le problème, c'est qu'il y a des pêcheurs qui sont installés au-dessus, qui pêchent le même spot, ça les tracasse pas trop. Et en plus, là, ils ont déjà vu quelques morceaux de fromage passer. Les chevennes, du coup, ils commencent à faire un peu attention là. Donc, je sais pas si je vais arriver à en valider un autre ici ou si on va devoir changer de spot après. On va voir. Faire. Putain, je l'ai senti lui. Hein. Comme une balle, ouais. Tu l'as senti de la carte ? Ah ouais, je l'ai senti, tracasse pas. Il est où le gros maintenant là ? Il y avait un tout gros. Ouais, il descend. Voilà. Oh non, raté, je t'ai pris dans l'herbe. Pris dans l'herbe, gros. Ah, c'était une belle action quand même. Hein. Voilà les gars, on a changé de spot là parce que les derniers chaps avaient un peu compris ce qu'on faisait. Du coup, il devenait très très difficile. Là, on arrive direct, Jean Ratin. Donc ça devrait aller pour la suite. Normalement, il y en a d'autres, ça devrait aller. J'en vois un gros. Ah, il m'a mis un refus. Attends, bouge pas, il vient dessus. Il est encore dessus. Tu vois le tout gros là, dans la veine de courant? Il m'a mis un de ses refus, gros. Il m'a mis un refus. Ah, j'en ai un autre qui vient dessus, t'as vu? Refus. Bouge pas. Yes. Oh, enfin. Ah, j'ai les prises d'aide, gros. Tiens. Yes. Yes. Pour enfin. Ok les gars, enfin un poisson pour moi là après pas mal de refus et surtout un gros que j'ai raté là, enfin ce petit chub, hop là, qui est déjà reparti. Et ben voilà, dommage, je reviens plus qu'à en faire un. Ouais, je vais essayer d'en faire un autre, là il nous reste encore quelques minutes avant de devoir rentrer. Bonjour. Alors les gars, niveau matos, c'est simple, là j'ai pris une moustique 1,7 g sur un petit Shimano Stradic en 1000, donc vraiment du matériel léger pour pouvoir propulser, un hameçon simple, un morceau de fromage camouflé dans l'hameçon et c'est bon. Bastien lui est plutôt en casting parce que je crois que tu préfères Bastien, pas parce que ouais, c'est plus ça, efficace ouais. Mais voilà, donc vraiment pas beaucoup de matos et une pêche super fun, beaucoup d'action, même quand on les fait pas beaucoup d'action, ils viennent voir, ils partent, ils touchent, ils se retournent, il y en a un autre qui sort de sous une algue, vraiment super fun, super visuel. Donc on va encore essayer d'en faire un petit, on continue. Là les gars, il descend, on va attendre qu'il se remette dans l'autre sens, sinon c'est mort, il s'écarte. Ouais, il se remet.
Non, 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 non. Si je le ferais, je l'avais ce canard là. Hein. Incroyable, c'est incroyable quoi. Il est dessus ou pas? Ah ouais. Il fait sa petite boucle là. Son petit tour. Hein. Non, non. Il revient, t'as raison. S'il finit par le gober, Sam. C'est incroyable. Hein. Il tourne autour. C'est comme s'il voulait pas le prendre, mais genre que son instinct l'obligeait quoi. Il remonte. Il revient-tu ouais. Encore? Oh, non, non, laisse comme ça. Il l'a touché du bout, mais il va revenir dessus parce que tu l'as pas piqué, je pense. Putain, le bâtard. Il va finir par le prendre, je suis sûr. Non. Crois. Fais pas des erreurs comme ça de débutant. Reste comme ça. Il l'a vu. Je suis certain qu'il l'a vu. Non, il faut sur du gravier. Gros. Ah, ils aiment pas à venir. T'en as deux. Non, c'est un au-dessus de l'autre. Ouais. Il est encore là? Ah, oh, il est encore là. Et je vois pas ton fromage. Ah, il est caché ton fromage, l'autre. Tu nous as fait un fromage. Là, il est mal positionné. Là, il aime pas ça, je pense. Ouais. C'est le mort en difficulté. Hein. Ouais, mais il a la dalle, il le veut. Tourne. Et il essaye de trouver. Il essaie de trouver un angle en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'il veut pas le gober à contre-courant. Exactement. Putain, c'est incroyable. Il le veut. Non, il sait pas comment s'y prendre. Il sait pas comment le manger, c'est ouf. Là, il se casse un peu plus loin quand même, mais il va revenir. Mais là, tu l'as caché le fromage. Reste comme ça. Ah, là, c'est bien, il est bien mis là. Il reste tout près, hein. C'est ouf. Non. Vas-y. Non. Tout ça pour ça, quoi. Ah, j'ai la haine, là. Punaise, quoi. Vas-y, reste celui-là, gros. Je suis sûr à moyen. Non, là, celui-là, je l'ai piqué, quand même. On retourne sur le spot de tantôt. Et le truc, c'est que là, je fais le tour pour aborder par un autre côté, en fait. Il y a un petit pike. Sam, il y a un pike. De combien? 50, attends. Non, 50. C'est ma phobie de faire ça. Ah, t'es un boss. Je l'ai. Ok, attends, je le montre à la caméra et tout. Ouais. Tu vois toujours? Non, mais ouais, bien, beau lancer. Oui, non! Non! Ah! J'ai pas piqué. Je suis bien là. Ouais. Tension. Fais. Non. Mais gros, j'ai pris une cartouche de ouf, hein. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. On aurait pu continuer encore un peu plus longtemps, faire des chubs, mais vous avez vu là, je viens de faire réagir un pike sur le serpent. Du coup, ça va être le sujet de la semaine prochaine. Là, on va essayer d'aller faire un coup du soir pour le pike. J'espère qu'on va faire du poisson et j'espère qu'on aura du bon contenu à vous proposer. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche et on vous dit ciao ciao. Au revoir.